Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode des questions du mardi. Alors si vous venez d'arriver sur la chaîne, je vous rappelle le principe en quelques mots très rapides. Vous m'avez posé des questions, soit sur le disque vinyle, soit sur la musique, parfois même vous me demandez mon avis sur certains sujets. Et comme j'avais eu beaucoup de questions, j'y réponds donc en vidéo tous les mardis dans un épisode spécifique. Je vous rappelle que si vous voulez me poser vos questions, vous pouvez le faire soit dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, soit vous me contactez par mail, par MSN, ou peu importe. En général, je vous fais comprendre comme quoi j'ai noté la question et je la traite donc par ordre d'arrivée ensuite. Donc il y a un petit peu d'attente pour avoir votre réponse. Et nous allons tout de suite commencer par lire la première question et y répondre. La première question est de Marie-Laure Laborde. J'apprécie beaucoup Jean-Jacques Goldman et j'ai les deux CD du live de 1998 qui sont devenus inaudibles. Peux-tu me dire pourquoi ? Ah, les problèmes sur les CD. Alors, il faut dire que sur le CD audio, les problèmes sont en général plus rares. Ça se conserve relativement bien pour l'instant, mais c'est vrai que j'ai entendu assez particulièrement sur Jean-Jacques Goldman qu'il y a eu des problèmes de fabrication sur certains CD. ENG Sound s'en était déjà plein, et j'ai vu d'ailleurs sur Internet en faisant un petit tour que c'est visiblement un problème qui est connu. Mais c'est relativement étonnant parce que c'est Sony qui a fabriqué ces CD-là. Sony qui est quand même connu pour nous faire des produits de qualité. Donc, je suis un peu étonné justement que ben c'est que Goldman qui ne fonctionne pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec sa musique. Donc ceux qui n'aiment pas, ne mettez pas des méchants commentaires, hein, s'il vous plaît. On s'en passera, même si c'est tentant, c'est vrai. Le problème qu'il y a avec le CD audio, c'est qu'à partir du moment où on a un problème sur le CD, vu que c'est pas de la mécanique, vu que c'est de la lecture optique, et une lecture optique qui en plus sacrément précise, eh ben il n'y a pas grand chose à faire. Pourquoi ? Je pense que c'est une réaction chimique à l'intérieur du CD. Il faut savoir qu'il y a différents composants et que parfois il y a des réactions chimiques qui se font avec le temps. Donc de manière générale, les CD audio, ne les laissez pas exposer à la lumière, ne les mettez pas ni dans le froid ni dans le chaud. Exactement comme un disque vinyle, c'est tout aussi fragile, j'ai envie de dire, et surtout une fois que le CD est sacrément rayé, et ben là c'est foutu, alors que le vinyle il risque encore de passer, mais le CD, ben selon les cas, c'est foutu. La question suivante est de Big Bird. Est-ce que tu pourrais parler des systèmes d'autorisation pour presser des disques vinyles et des personnes qui fraudent en pressant des disques vinyles sans autorisation ? Comment reconnaître un vinyle pressé avec autorisation d'une contrefaçon ? Alors c'est une question que j'avais déjà abordée plus ou moins dans la vidéo « L'escroquerie dans le disque vinyle », la première partie, où je parlais justement des contrefaçons, comment les reconnaître. Il y a des petits signes qui sont relativement évidents. Donc je te renvoie vers cette vidéo, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et d'ailleurs, regarde également dans les commentaires, parce que parfois tu as même d'autres astuces. Ça, de manière générale, dans toutes mes vidéos, dans les commentaires, vous avez parfois des compléments qui sont vraiment pas inutiles. D'ailleurs, merci à vous pour vos interventions. Et ces vinyles-là, généralement, ne sont pas pressés en France, où il faut vraiment des autorisations pour avoir sorti un disque. En général, vous contactez la SACEM et la SDRM, il me semble, et lorsque vous avez protégé tout ça, ils vous donnent un numéro qui est indispensable pour envoyer au pressage. Autrement, on ne vous presse pas votre CD ou votre vinyle. Mais voilà, comme en Italie, par exemple, il y a la mafia où il y a ce genre de système, on sait très bien que, bah, vu qu'il y a plein de disques non officiels, que bah, y a des moyens de passer au travers. Alors en France c'est relativement rare, mais dans d'autres pays ben ça arrive. Voilà, il y a des pays moins regardants avec la législation, hein. Alors particulièrement les Russes, ça c'est très connu que les pressages russes sont pour aller 9 dixièmes d'entre eux non officiels. Alors on va pas faire de généralité selon les pays, c'est juste qu'il y a des pays où ils sont un peu moins regardants avec la loi ou avec le capitalisme, et puis voilà. Donc oui, regarde cette vidéo, je donne tout en détail avec des explications. Voilà, comme ça tu sauras comment reconnaître une contrefaçon. C'est assez facile. Si on a l'œil, les mauvaises contrefaçons, c'est très facile de les reconnaître. Après, il y a parfois aussi des contrefaçons où c'est relativement pas évident parce qu'elles sont un peu trop bien faites. La question suivante est de Papy Vinyl. Quelle est ta chanson préférée de la saga James Bond ? Ma chanson préférée de la saga James Bond. Alors, bon, déjà à la base, je suis pas un fan hardcore de James Bond, mais il faut reconnaître que leur musique
on les reconnaît. Ils ont vraiment une manière de faire leurs compositions qui font qu'on reconnaît les musiques de James Bond depuis une bonne trentaine d'années. Alors je pense, j'hésite en fait entre Skyfall d'Adele, qui est une très très bonne chanson, même si je la trouvais justement un peu trop James Bond par rapport à ce que moi j'attends d'Adele, ou alors tout simplement le Live and Let Die des Wings, de Paul McCartney, qui est quand même une excellente chanson, avec un très bon riff au violon. Ouais, entre les deux, là j'hésite vraiment. C'est un peu difficile de choisir entre les deux, mais ça doit être mes deux que moi je préfère. On va enchaîner avec la question de Daniel Deville. Avec le retour du vinyle, on assiste à la multiplication des sociétés offrant la possibilité de faire des vinyles sur mesure. Chansons préférées, couleurs, picture disc, possibilité de laisser un message pour un anniversaire, etc. Qu'en penses-tu? Qu'en est-il de la qualité des supports proposés, du prix, etc. Alors c'est une question dans laquelle je ne vais pas être entièrement neutre. Je le précise d'avance que mon avis sera un petit peu partial. Vu que j'en ai essayé un et que j'ai même sympathisé avec un, je vous rappelle que Yado Vinyl grave des disques vinyles à la demande. Yado Vinyl, voilà, qu'on finit par connaître dans le milieu, on s'appelle de temps en temps, enfin voilà. J'ai déjà pu tester plusieurs de ces disques vinyles, j'ai déjà pu les écouter sur ma platine et sur d'autres platines. Je peux vous renvoyer les yeux fermés vers lui, il a toute ma confiance, je sais qu'il connaît, qu'il aime la bonne musique, qu'il aime la bonne musique qui sonne bien, donc voilà, je vous renvoie vers lui. Il les personnalise, il teste pas mal de choses. ENG Sounds, Monsieur Vinyl, Vinylement Vôtre, tous les trois ont fait une vidéo sur son travail. Donc si vous voulez vraiment découvrir ce qu'il fait, en plus de sa propre chaîne YouTube d'ailleurs, au passage, vous pouvez donc découvrir son travail. Alors ce que moi j'en pense, je trouve que c'est vraiment bien, parce qu'on vaut mieux acheter un disque vinyle qu'on a fait graver soi-même par Yado Vinyl que d'acheter une contrefaçon. Justement, on parlait de la contrefaçon, croyez-moi que chez lui ça sonne bien mieux, voilà. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas neutre. Lui, je l'ai testé. Après, il y en a d'autres. Parce que je ne les connais pas, donc je ne peux pas me prononcer dessus. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, avis pas à 100% neutre. Mais voilà, c'est de la bonne qualité. Et on va terminer avec la question de Monsieur Dallas Multipass. Sur un disque, pochette de disque, macaron, etc., il n'est pas toujours spécifié qui a écrit la chanson et qui a écrit la musique. Exemple, sur le Maxi 45 Tours de Confetti's The Sound of Sea, en remix, on peut lire sur le macaron du disque S. Ramekers et D. Sass. Y a-t-il une procédure bien déterminée pour savoir qui a écrit les paroles et qui a écrit la musique? Parfois c'est nom, nom, slash, un autre nom. Là aussi, les deux premiers ont écrit quoi et le troisième a écrit quoi? Je sais que sur Discogs c'est plus ou moins renseigné, mais sans certitude exacte. Alors ce que vous savez pas, c'est que c'est le deuxième Daniel d'affilée qui vient de me poser une question. Hein. Il manquerait plus qu'ils se connaissent tous les deux. Hein. Bref, je vais arrêter mes blagues. Alors, c'est une question qui est relativement intéressante. C'est vrai que les crédits, on s'y attarde parfois et on découvre que il y a de grands noms qui ont écrit certaines chansons. Je vous le signale par exemple parfois quand Gainsbourg a écrit également pour d'autres artistes français. Il a écrit pour énormément de monde, il n'a pas tout gardé pour lui, et de très bonnes compositions d'ailleurs qu'il a données à d'autres. Et parfois quand c'est crédité, on a parfois deux noms, on ne sait pas qui a écrit les paroles et qui a écrit la musique. Parfois c'est carrément précisé, parfois il y a juste deux noms d'affilée. Et je pense, mais sans en avoir la certitude, que généralement on met d'abord l'auteur des paroles en premier et ensuite l'auteur de la musique. Mais il arrive parfois que les deux ont composé ensemble le tout. L'exemple le plus connu, c'est celui de Lennon-McCartney, où il signait forcément des deux noms, en sachant que parfois il n'y en avait que l'un ou que l'autre qui avait fait 90% de la composition et l'autre a juste mis son petit grain de sel dedans. Le fait est que normalement c'est standardisé, mais après tu tombes sur quelqu'un qui fait ça à sa manière, tu tombes sur un groupe qui crédite forcément les quatre pour toutes les compositions, comme ça a été le cas pour Queen dans les derniers albums, où finalement ils créditaient automatiquement les quatre, comme ça les quatre touchaient les royalties dessus et il n'y avait plus que l'un qui les touchait. Voilà, une forme de communisme dans la musique, entre guillemets, mais en fait, ouais, une forme de partage. Donc là, finalement, qui a fait quoi, c'est un petit peu difficile, mais oui, comme je te dis, et vous pouvez d'ailleurs le préciser dans les commentaires, il me semble que d'abord on cite l'auteur en premier du texte, parce qu'on part du principe que c'est d'abord qu'il existe un texte et qu'ensuite on fait la musique dessus.
ce qui n'est pas toujours le cas au passage, mais on part de ce principe-là. Donc on va d'abord citer ça comme ça dans l'ordre. Mais s'il n'y a rien de précisé, qu'est-ce qui nous empêche de croire que en fait les deux ont participé à la composition et au texte? Voilà. Difficile, hein? Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc comme je vous le dis à chaque fois, je vous rappelle que je vous donne mon point de vue sur les questions que l'on me pose. Vous avez le droit de ne pas être d'accord et surtout vous avez le droit de dire dans les commentaires ce que vous pensez. C'est toujours très très intéressant d'avoir différents points de vue sur une question. Donc n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à lire les commentaires des autres comme je l'ai dit dans la vidéo. C'est également très utile d'avoir vos points de vue à vous et justement ben, le fait de lire les autres commentaires ça peut vous ouvrir vers d'autres perspectives. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, portez-vous bien, longue vie au disque vinyle et à bientôt! Thank you.